Bonjour, je m'appelle Tino, je suis électricien et aujourd'hui je vais vous montrer comment on branche une fiche mâle avec terre. Avant toute manipulation, vérifiez que votre installation soit hors tension. Alors pour réaliser le câblage, nous avons besoin d'une fiche mâle avec terre, un morceau de câble, une pince à dénuder, un tournevis plat et un cutter. Alors pour commencer, nous allons prendre la fiche et on va l'ouvrir à l'aide du tournevis plat. On dévisse la fiche avec son tournevis et on la déboîte à droite et à gauche. Alors sur votre fiche, vous avez à droite ou à gauche le neutre ou la phase, et surtout au milieu, vous avez la terre. Pas se tromper sur la terre qui est tout le temps au milieu, et pour le neutre et la phase, le sens n'a pas d'importance. Pour continuer, nous allons dénuder le câble à l'aide du cutter. Alors je dénude le câble, je mets mon cutter sur le câble, pas trop pincé pour pas toucher les conducteurs, et je tourne pour faire une petite coupure. Voilà, une fois que j'ai fait ma coupure du câble de l'isolant, je le tords à droite et à gauche et je tire, je force un petit peu. J'ai mon conducteur qui se présente avec mes trois brins, mon bleu qui est le neutre, donc le moins, ma terre, le vert jaune et le marron qui est ma phase le plus. Idéalement, ce qui serait bien, c'est d'avoir la même longueur des câbles à la longueur de la fiche, pour pouvoir le coincer entre ces deux petites vis et les connecteurs. Donc nous avons la longueur idéale, donc nous allons pouvoir coincer le câble sur les deux petites vis, le maintien et sur les connecteurs. Alors avec ma pince à dénuder, je vais dénuder mes conducteurs pour pouvoir la brancher sur ma prise. Je prends ma pince à dénuder. Ce qu'il faut savoir sur une pince à dénuder, vous avez un petit réglage avec une vis qui permet d'avoir la même section que le câble et ça évite le pincement. Donc une cassure sur le conducteur. Je règle ma pince, je la mets dans mon conducteur, un petit quart de tour, hop, je tire. Et vous avez votre conducteur qui est dénudé. Je répète l'opération et vous avez vos conducteurs dénudés. Et maintenant, on va câbler la prise. Alors je prends ma fiche, mon tournevis, je dévisse mes connecteurs, le pincement qui va coincer mon câble. Pas besoin de tout défaire, mais assez conséquent pour le passage du câble. Je prends mon câble, je l'enfonce. Une fois que le câble est passé, je prends mon conducteur, le neutre, donc le moins, et je donne un coup de tournevis. Je prends mon plus, donc ma phase, je le mets de l'autre côté et je donne un coup de tournevis. La chose la plus importante, évidemment, c'est la terre qui, elle, doit être branchée au milieu. Je la serre. Une fois fini, je tire mon câble pour le mettre à la bonne hauteur de la fiche. Et je l'emboîte. J'emboîte la première partie. Je retire un petit peu sur le câble. Je serre mon serrage, mon maintien du câble. Cela va éviter que le câble s'arrache quand vous allez enlever votre fiche de la prise. Surtout, il faut bien vérifier le serrage des conducteurs car ça peut brûler la fiche si c'est mal serré. Ben voilà, maintenant que vous savez comment raccorder une fiche mâle avec terre, retrouvez-moi sur la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment on raccorde une fiche TV mâle et femelle.